pour faire un son, et bah quand on appuie sur la note, et bah il y a un marteau qui frappe contre une corde et c'est ça qui fait le son. Oui, et tu nous dis, c'est à quelle famille d'instruments appartient ? C'est les instruments à cordes, vu que là il y a des cordes. Tout à fait. Sur quoi on joue ? Avec quoi on joue ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ça c'est des touches. Des touches, tout à fait. On joue avec les touches. Puis, il y a aussi chez nous les pédales. Tu te souviens ? Tu racontes un tout petit peu pour les pédales ? Là, c'est pour jouer plus fort et... Voilà, le son il devient plus fort, oui. Là, c'est la sourdine, donc c'est pour faire un son plus doux. C'est souvent, quand on habite dans les appartements, pour ne pas trop déranger les voisins, le son il est étouffé, oui. Et la pédale tout à fait à gauche. C'est la pédale douce. C'est une pédale douce, on l'utilise plus rarement, on va dire comme ça, mais il existe. C'est un instrument qui était inventé en Florence au début du 18e siècle en Italie, plus précisément en 1711, et il s'appelait piano forte. Il y a quelques pièces qui sont retranscrites de musique baroque. Il est utilisé par les compositeurs romantiques comme Schubert, Schumann, Liszt, Chopin. Après, les romantiques, on y va vers la musique plutôt post-romantique. C'était Scriabin et Rachmaninov. Après cette époque-là, on va aller dans la musique impressionniste. C'est plutôt les compositeurs français comme Satie, Ravel, Debussy. Et puis il y a la musique néoclassique qui est représentée par Shostakovich, Prokofiev et Stravinsky. On peut être un instrument solo, un instrument qui accompagne, plutôt les instruments solistes comme violon, violoncelle ou trompette. Et puis on peut jouer avec dans la musique de chambre, quand on joue par deux, trois personnes, duo, trio, etc.